Alors, il n'y a personne ici. Bratt ! Bratt ! C'est quoi comme ça, Harold ? Tu vas te faire mal à crier comme ça. Et il tombe en morceaux, ton cabriolet, Harold. Tu devrais pas rouler avec ce machin. Laisse mon taco tranquille. Prends plutôt ce truc-là. C'est quoi ? J'en sais rien, moi, ce que c'est. Comment je pourrais le savoir ? C'est un paquet. Un paquet pour Madame Rail. Bon, tu le prends, oui ? Pour Madame Rail ? Il est arrivé hier soir. Il a l'air de venir de loin, c'est tout ce que je sais. Hé, fais pas de conneries, Bratt, hein. Ouais, c'est bon. Pour la patronne. Très bien de venir en ville de temps en temps. Ouais, c'est ça. Allez, un de ces jours. Tu vas pourrir dans ce trou paumé. Et ben moi, j'irai pas si vite avec ce cabriolet pourri. Allez, Hé, Harold, va pas trop vite avec cet engin, hein. C'est Bratt, j'ai trouvé. Hein? Ah, c'est bien, Pete. Je te file au cours du manophone. Monsieur Pekich va encore me tuer. Et j'ai besoin que tu remontes tout de suite à la maison. Prends ça et cours chercher Mac, d'accord? Tu lui dis que c'est un paquet pour Madame Rail, qu'il est arrivé hier soir et qu'il a l'air de venir de loin. T'as compris? C'est un paquet pour Madame Rail. Et il est arrivé hier soir. Il est arrivé hier soir et il vient... Et il a l'air de venir de loin. De loin, d'accord. Bon, t'as qu'à le répéter, comme ça t'oublieras pas. Allez, file. Oui, monsieur. Eh, cours, Pete! J'ai dit de courir! Il est arrivé hier soir, et il a l'air de venir de loin. Un paquet pour Madame Rail. Arrivé hier soir, un paquet pour Madame Rail. Eh, Pete! Où tu cours comme ça? Salut, Angie! Tu sais où est Mag? En bas, dans les cuisines. Merci! Bonjour, monsieur. Ok, pour Madame Rail, il est arrivé hier soir. Il a l'air de venir de loin. Ok, pour Madame Rail, arrivé hier soir. Il a l'air de venir de loin. Qu'est-ce qui t'arrive, fils? C'est son paquet. Un paquet pour Madame Rail. Attends. C'est un paquet pour Madame Rail. Il est arrivé hier soir et il a l'air de venir de loin. Voilà. Bon, d'accord. Donne-moi ça, Pete. Je crois que je sais d'où il vient. Stitt, regarde. Un paquet pour Madame Rail. Il a l'air de venir de loin. Tais-toi donc, Pete. C'est juste qu'il est tout plein d'écriture, tu vois. C'est léger. On dirait un cadeau. C'est où elle est, la patronne? Je crois qu'elle est dans sa chambre. J'y vais. Je peux venir aussi, Mag? Bon, d'accord. Mais tu te tais. Toi, tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est, mais tu veux pas me le dire. Ferme donc la porte derrière toi. Je le dirai à personne, je te promets. Tais-toi, Pete. Plus tard, tu le sauras toi aussi. Tu verras. Et peut-être bien qu'il va y avoir une fête. Une fête? Ou quelque chose comme ça. Si là-dedans, il y a ce que je crois, alors demain, ça sera un jour spécial. Ou après-demain, peut-être. C'est quoi un jour spécial? Chut, tais-toi, Pete. Tu restes là, tu bouges pas. Madame Rail? Je suis là. Excusez-moi, madame. Il y a un paquet pour vous. Entre, madame.
pensais que... Fais voir. Reste, Mag. Monsieur Ray, il va rentrer. Monsieur Ray va rentrer.